faisait vraiment un moment que je voulais venir ici. Depuis que j'étais venu ici en Thaïlande au mois d'avril 2017, j'avais vraiment envie d'aller dans cet endroit vraiment insolite en plein cœur de Bangkok. Donc je vais filmer, je vais filmer aussi l'intérieur. Je vais filmer tout le tour, je pense que je vais lancer le drone aussi. Je suis comme un gosse, quel gamin n'a pas jamais rêvé de monter dans un avion, de se mettre aux commandes et tout. Donc ici on a un 747, un Boeing 747 et un McDouglas un peu plus petit juste à côté. J'ai commencé par le petit, j'ai commencé par le McDouglas. Il y a tout quoi, il y a tout, t'as encore toute la carlingue. Allez, on y va. Bon, bien sûr, les avions ont été pillés, hein. Il manque plein de trucs. Mais regarde, c'est ouf, frère. Putain, il manque juste les hôtesses. Regarde, t'as encore les numéros des sièges. C'est là où tu te rends compte que finalement, tu vois, entre toi et le vide, c'est rien, enfin, c'est mince quoi. Putain, c'est dingue. Mais ils font comment les mecs? Putain, faut pas être grand hein. Merde, attaque conducteur. C'est dingue quoi, c'est impressionnant. Bon là je me trouve dans le plus grand, Boeing 747. Ça c'est la soute. Et puis en first, t'as, regarde ça, c'est dingue. C'est dinguissime quoi. Oh, j'avais jamais vu. Oh, c'est un train d'atterrissage. J'arrive au bout de là où l'avion a été démembré. Wow, regarde ça. En first. Ah voilà, le cockpit est juste là-bas. Donc là je suis en business. Bon, comme quoi on n'est pas tout seul sur le site. Là je viens de me faire un petit pote là. Il vient de Californie, américain. Puis on vient d'avoir une petite discussion sur la Ghost Tower aussi. Et ouais, il me dit vraiment que ça devient de plus en plus difficile d'y aller. Il a essayé il y a un an, j'ai essayé il y a 6 mois. Alors là il vient de pleuvoir. Ça donne une autre ambiance au lieu. Je l'avais jamais vu comme ça. Et voilà. Le cockpit, il y a bien sûr, il n'y a plus les sièges, ça a été pillé. Cockpit d'un Boeing 747. Wouah! Encore les leviers, putain, c'est dingue! C'est oufissime! D'avoir 8 ans, tous les gamins ont déjà tous rêvé de piloter un avion, faire ce genre de truc. Tu te rends compte que cet endroit a eu une âme, tu vois, que ça a vécu, tu vois. Enfin, qu'il y a eu des gens ici, que cet avion a volé, et là ils se retrouvent là en plein Bangkok. Je trouve ça surréaliste. J'avais vu la vidéo de Justin Van Collen, ce youtubeur français, j'adore ce qu'il fait. Vraiment, allez voir ce qu'il fait. Et c'était d'ailleurs lui qui m'avait inspiré sur le fait d'amener de la nourriture, de passer du temps avec les enfants, tout ça. C'est vraiment top ce qu'il a fait. Il est temps pour moi de partir. Ça a été un super moment, ça a été une super après-midi. Je vous mets en description le lien géographique. Je vous mets aussi le lien de la vidéo de Justin Van Collen qui est super bien réalisée et qui, je pense, parle du lieu plus en détail que moi. C'est des enfants qui vivent ici. J'aimerais revenir sur cette situation. On est sur un terrain privé où des gens, et notamment des enfants, ils sont une dizaine, vivent ici. Mais je reviens vraiment sur cette situation. Il faut pas non seulement venir et payer 200 bahts pour payer ton entrée, justement ramener un peu de nourriture, passer un peu de temps aussi avec eux.
Ok, bye bye.